À la base, je connaissais bien la région, donc, parce que on va dire, depuis 2008-2009, j'allais régulièrement chez des amis, donc je connaissais un peu la région, la mentalité, donc j'ai pas été trop dépaysé. Après, c'est vrai que c'est beaucoup de changements. Par exemple, quand tu cherches un épicier à 2h du matin, là-bas, t'en trouves pas, quoi. Contrairement à Paris. Mais non, après, avant d'y aller, on m'avait dit, tu vas voir, c'est fou, là-bas, les gens, ils sont complètement tarés et tout. Et au contraire, les gens sont... Enfin, là où je suis, en tout cas, c'est... Les gens sont calmes, posés. Bon, c'est vrai que dans la rue, vu que c'est une ville qui est vraiment rugby, donc ils te reconnaissent, mais ils te laissent vivre, quoi. Ils te laissent vivre. Ils sont pas, à te sauter dessus, à te traquer. Au contraire, ils te laissent vivre. C'est toujours des mots gentils en plus, toujours des encouragements. Après, c'est clair que. Faut pas se louper, quoi. C'est là-bas, c'est tu peux être samedi un dieu comme tu peux être pubactère après, quoi. Mais généralement, ouais, c'est toujours des encouragements et après, c'est de ville. Ces gens, ils ont besoin d'un titre, quoi, parce que ça fait 20 ans maintenant, plus de 20 ans qu'ils attendent ça, donc forcément ils commencent à s'impatienter, donc à nous de faire le maximum pour que cette année ce soit le cas. Après, c'est vrai que Paris me manque un peu parce que je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai ma famille là-bas, tous mes amis sont là-bas, donc forcément ça manque, mais bon, après j'ai eu l'occasion de remonter, donc voilà, j'aime bien remonter 2-3 jours et après redescendre. Yeah.